ne voyons pas de changement. Cette CEDEAO qui pousse nos pays à maintenir les bases militaires françaises, à accueillir les djihadis et d'autres armées d'occupation, parce que cette CEDEAO ne nous aide pas, n'aide pas nos pays, comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger et comme d'autres pays, à faire face à la sécurité. Voilà ce que c'est que la CEDEAO. Mais qui va rester dans un mariage pareil? Un homme et une femme sont mariés. L'homme prend ses bagages et part. La femme dit à son mari, tu vas revenir par la force, viens. Non, c'est de dire, mon mari, pourquoi veux-tu t'en aller? Et on pose les problèmes. Je ne sens pas cette démarche, monsieur le président. Et nous devons aller vers cette démarche. Refondation ou mort de la CEDEAO. Voilà où on en est aujourd'hui. Transformation structurelle ou mort de la CEDEAO. Changement profond ou mort de la CEDEAO. Voilà où nous en sommes, monsieur le président. Si on ne fait pas ça, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, dans les villages, dans les quartiers, ne veut plus de ça. Dit que cette CEDEAO est une CEDEAO des chefs d'État et non des peuples. Et ça ne sert à rien de dire non, 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 non. Il faut changer par les actes.